tout le monde, on va préparer aujourd'hui un dessert hyper facile, un clafoutis aux fruits de saison. C'est un dessert que vraiment tout le monde, mais vraiment tout le monde peut réaliser chez soi. Je vais commencer avec mon moule, je vais d'abord le beurrer. Ce soir, j'ai été maligne, j'ai déjà chauffé un peu mon moule. Comme vous voyez, c'est le dessous d'une tagine. Si vous n'avez pas ça, pas de souci. Vous prenez tout simplement un moule à manquer ou un simple moule à tarte, pas de souci. Vous voyez, le beurre se répand très facilement. Comme mon moule est un peu chaud, je vais le mettre de côté et prendre mon bol pour ma préparation de la pâte qui va sur les fruits. D'abord, j'ai besoin d'un peu de mascarpone, 125 g de mascarpone, que déjà je mets dans mon bol. Un peu de sucre, 3 cuillerées. Voilà. Puis j'ajoute pour le goût, pour relever le goût un peu de sucre vanille, 2 sachets, donc ça veut dire 20 g. Je mélange déjà un peu. Voilà. Après, on va pouvoir mélanger plus. Dès que j'ai mis les œufs, 3 œufs, donc 3 cuillerées à sucre, 3 œufs, facile à retenir en plus, et 3. Si vous préférez le faire avec le mixeur, pas de souci, vous prenez votre mixeur à batteur. J'ajoute encore un peu de farine, 60 g de farine de pâtisserie, toute simple. Si vous n'aimez pas la farine ou si vous êtes allergique, si vous ne pouvez pas manger de gluten, vous ajoutez tout simplement de la maïzena. Ça marche tout aussi bien. Voilà, c'est ma pâte, c'est déjà prêt. Hop, je la mets un instant de côté pendant que je mets mes fruits dans mon moule. Et je vais couper un peu les fraises, comme elles sont relativement grandes. Et je vais vraiment essayer de couvrir tout le fond de ma tagine avec des fruits. Voilà, c'est déjà mes fraises. Puis j'ajoute tout le reste de mes fruits. Secouer un peu pour qu'ils s'égalisent. Voilà, le fond est bien couvert. Et puis je peux mettre ma pâte. Déjà prêt. Je vais secouer un peu, donc rien de plus facile. Maintenant, on va passer le plat au four, 25 minutes à 200 degrés, pas plus. Voilà, 25 minutes plus tard, on obtient cela. La seule chose qui me reste à faire, c'est le décorer un peu avec un peu de sucre en poudre. Voilà, je dirais, toute la famille sera contente ce soir.